Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on est sur Zoolax. C'est donc une copie des Final Fantasy 10 qu'on va tester ensemble. Aujourd'hui, j'ai mis la langue donc en français. Donc allez les potes, c'est parti. Non, difficile. Normal comme je débute les potes. On fera plus tard quand on aura tout terminé. Je Tu peux pour Zoolax. Donc normalement, c'est français. Ok. Ok, je lève le son. Ici le PDG de Zoolaxink. Bienvenue à Zoolaxink. Nous venons d'acheter cette ancienne boutique d'antiquité récemment. Une partie du matériel est en panne. Nos techniciens vont essayer de la réparer dans les nuits qui viennent. Je dois vous donner quelques instructions de base pour la première nuit. Sur l'écran principal, en bas à droite, il y a une icône. Si vous la pressez, vous pouvez retirer la tablette pour contrôler les caméras de sécurité. Vous pourrez également changer la carte pour observer le niveau souterrain. En Okay. bas à gauche, il y a un autre bouton, dans le cas où vous aurez besoin de vous cacher. Gardez un œil sur la caméra 13. Nos scientifiques étudient ces poupées maudites jour et nuit. Donc, vous voyez Poggy sur la gauche, avec les fascinantes dents pointues. Poyer. Loki à Puis, l'arrière, Sally. et Sally, Ok. la jeune fille à droite. Si Sally ou Loki s'approchent de vous, il suffit de vous cacher sous le bureau pendant un certain temps. Ils peuvent être un peu sensibles autour des étrangers. Aussi, il faut éviter de rester sous le bureau longtemps. Assurez-vous de savoir où ils sont en tout temps. Si les poupées ne se sentent pas surveillées, des choses horribles peuvent se produire. Juste faites attention à la barre d'énergie, puisque tout ce que vous allumez utilise le générateur principal. Okay. Gardez un œil sur la caméra 15. Qui montre l'image d'un puzzle antique. Assurez-vous que toutes les pièces du puzzle sont placées correctement. Pour une raison quelconque, les pièces changent de place de temps en temps. Si cela se produit, cliquez sur les pièces du puzzle pour les corriger, car des événements inattendus ont tendance à se produire. Il y a un bouton rouge sur votre bureau. Si vous le pressez, vous pouvez surveiller le couloir en face de vous. Encore une fois, bienvenue à la famille de Zoolaxik. Au revoir et à la prochaine. Juste un devoir, regardez le tableau. Vous voyez en face, on a un tableau avec un cheval et derrière un tableau, une tête ronde. C'est le clown, on dirait. Là, on a donc un cochon au-dessus de l'armure, d'une armure. Ça pourrait être. Attendez. Lui. Là, au-dessus d'une autre armure encore, ça ressemble beaucoup à celui du milieu. Et là, la femme, ça pourrait être. Elle. Enfin, elle. Ok. Je connais pas très bien le jeu et on le teste ensemble. Donc, okay, ça du coup, elle qui est là. On va garder un œil sur celui-là pour l'instant. On va faire une nuit et plusieurs nuits dans des autres vidéos. Donc là, on va faire la nuit une. Là, mais je suis fatiguée. Attendez. Tu fais un truc. Perso, la poupée, j'aimerais pas me prendre la poupée personnellement. Où est-ce qu'elle se casse? Lou, Lou.
pas loin. Ok. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Poupée, tu bouges pas. Sally, la fille. Attends, on va donner son. Lui, ça sera le grand machin. Elle, ce sera machine. Non, elle, ça sera la poupée. L'autre, ça sera le. Le clown. Là, il y a le grand machin. Il y a une caméra qui coupe. Allez, il y a le grand machin là. 4h du matin. Jusqu'à 6h, il me semble. Comme dans la fenêtre futiste, logiquement. Attendez. Donc, les potes, on découvre le jeu ensemble. J'ai jamais joué, je vous jure. Ok. Donc les potes, c'est pas que je me mets aux vidéos genre comme ça, enfin Final Fantasy et tout, mais je fais des petits jeux, mais je vais surtout faire du Free Fire et du Pacifique. C'est encore 1h les potes, et 5h. C'est lui qui recule. Ah c'est bien fait vers ça parce qu'on les entend aussi. Je vois qu'on a deux couleurs là. Je baisse un peu le son des potes parce que là, en vrai, ça fait mal, c'est fort. Ça va, mais bouge pas, y'a que lui. Ok, lui, perso, ça va être mon préféré, en fait, je crois. Parce qu'il est trop stylé, les potes. Le clown aussi, il est stylé, mais... Perso, moi, j'aime mieux lui, quoi. Il fait un... plus flippé qu'en regardant son corps. Car il est maigre et tout. Mais perso, le plus flippant, c'est la poupée. Là, il est 6h. Normalement, ça doit être la fin. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, bah, les potes, c'est le matin, donc... salut, bis!